Salut à tous, si vous êtes à court d'hébreu, ça tombe bien, ici on fait le plein d'ivrites. En quelques minutes, suivez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 15 mots galères en hébreu qui vous font du mal, qui vous font souffrir, qui vous perturbent. Pour comprendre la problématique ici, il faut savoir une règle de base en hébreu. Un mot se terminant par le son « a » est féminin. Un mot se terminant par le son « im » est masculin, pluriel. Un mot se terminant par le son « ot » est féminin, pluriel. Vous aurez compris que les 15 mots qui arrivent sont irréguliers. Laïla, la nuit, c'est masculin. Et oui, comment vous en rappeler? Facile, moyen mémotechnique, l'expression Laïla Tov. Laïla a tout pour être un mot féminin, puisqu'au même au pluriel on dit Laylot, Laïla, Laylot, mais c'est complètement masculin. Si on doit dire des bonnes nuits, on dira Laylot Tovim. Arba Esre. Ir, une ville. Alors, Ir n'a rien de féminin. D'ailleurs, même au pluriel, on dit Arim, des villes. Mais c'est un mot féminin. On dit Ir Yafa, Tel Aviv, Ir Yafa. Tel Aviv est une belle ville. Shlosh Esre. Après la ville, la rue, Rechov. Rechov, c'est masculin. Alors on dit une rue en français, c'est féminin, mais en hébreu, c'est masculin. Rechov, et le pluriel, c'est Rechovot. Évidemment, c'est perturbant, puisque ça ressemble à du féminin, mais ça reste évidemment du masculin. Rechov. Rechovot. Par exemple, si vous dites de belles rues, on dira Rechovot Yafim. Shtei Mesre. Even, une pierre. Et oui, donc Even désigne aussi bien une pierre, un caillou, hein, qu'une belle pierre précieuse. Donc Even, une pierre, c'est féminin. Comme en français d'ailleurs, une pierre. Et au pluriel, c'est Avanim. De belles pierres précieuses, on dit Avanim Yafot. D'accord? Even Yafa. Achat Esre. Alors, autre exception, les membres du corps se finissent pratiquement tous par le suffixe « aïm », qui signifie « deux », c'est le pluriel « duel », a une consonance masculine. Mais, malheureusement, pour vous qui apprenez l'hébreu, la majorité des membres du corps sont féminins, malgré ce suffixe en « aïm ». Exemple, « yadaïm », les mains, « enaïm », les yeux, c'est absolument féminin. On dit par exemple, les mains ouvertes, Yadaim ptuchot, et pas ptuchim. Pareil pour les yeux, enaim ptuchot, les yeux ouverts. Esser. Sehar, les cheveux. Et oui, en hébreu, ça désigne toute la chevelure, donc ça reste singulier. Comme en anglais, hair, excusez-moi pour mon accent, d'accord? Sehar, les cheveux. Teisha. Dvora. Dvora, vous connaissez, c'est un prénom, mais ça veut dire aussi une abeille. Alors c'est féminin, Dvora, mais au pluriel on dit Dvorim, d'accord? Des abeilles, Dvorim, et c'est féminin. Shmone. Tzipor, qui veut dire un oiseau. Tzipor, Tziporim, c'est féminin. Tzipor Yafa, Tziporim Yafot. Tâchez de vous en souvenir, des oiseaux en hébreu, c'est féminin. Sheva. Le mot Shemesh, que vous connaissez sûrement, qui veut dire le soleil. Le soleil est une étoile, comme tout le monde le sait, et une étoile, c'est féminin. Moyen mémotechnique pour vous rappeler que le soleil, en hébreu, c'est féminin. Hashemesh, zorachat, le soleil brille. Et c'est féminin, zorachat. Shesh. Ruach, le vent. Ruach, ça veut dire aussi l'esprit. Hein. Mais ruach, le vent, c'est féminin aussi, puisqu'on dit haruach noshevet. Le vent souffle. Et on ne dit pas haruach noshev. D'ailleurs, le pluriel de ruach, c'est ruchot. Chamesh. Il y a un trio de mots aussi qui ne se disent qu'au pluriel, c'est maim. Panim, Chaim, ce sont des mots qui n'existent qu'au pluriel. D'accord? Maim qui veut dire de l'eau, Panim qui veut dire le visage, attention c'est le seul qui est féminin ici, et Chaim qui veut dire la vie. Dans tous ces cas, en français on est sur un mot singulier, en hébreu c'est au pluriel. Par exemple, Maim Karim, de l'eau fraîche. Panim, Yafot, un beau visage. Et là c'est féminin, c'est encore plus perturbant. Et pour Chaim on dit Chaim Mesubachim, une vie compliquée. Arba. Vous connaissez le mot Shabbat, ça désigne le samedi, Yom Shabbat. On l'utilise en français, le Shabbat. Mais attention, en hébreu, c'est féminin. Shabbat, Aruka. Et au pluriel, on dit Shabbatot. Le mot Shabbat en hébreu est féminin. Shalosh. Talit, le châle de prière, en hébreu, est absolument féminin, puisqu'il se finit par le suffixe it, qui est une marque très explicite du féminin. Talit, Talitot, Talit, Yafa. Un beau Talit. Shtaim. Echad, Achat.
Évidemment, vous avez compris, les chiffres en hébreu, c'est un petit peu déroutant, c'est difficile parce que en hébreu, il y a des nombres au masculin et des nombres au féminin. Donc, Echad, c'est masculin et Achat, c'est féminin. Echad. Et je continue avec les autres chiffres, les chiffres masculins qui ressemblent à du féminin. Là, il va falloir vraiment vous concentrer. Si je compte au masculin jusqu'à 10, ça donne Echad, Shnaim, Shlosha, Arba'a, Hamisha, Shisha, Shiv'a, Shmona, Tish'a, Asara. Et oui, c'est masculin tout ça. Et féminin, c'est Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Teisha, Esser. Bon courage. Bon, en tout cas, si vous regardez régulièrement un cours d'hébreu, vous pouvez être sûr que ça rentrera très très vite. Bon courage, Be'atzlacha. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos de A cours d'hébreu, rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application BeYivrit. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo.